On est dans le Morbihan, à côté de chez moi. Ça va pour l'instant, il pleut pas, les nuages, mais bon, c'est la Bretagne, donc j'espère que ça va. En Bretagne, il pleut jamais. Il pleut jamais, c'est vrai? Ouais. C'est pas vrai. Il m'en fait quel âge, Aurel? J'ai 24 ans, Vincent. Tu supportes aussi le FC Nantes? Exactement. Comme Clément. Regarde Clément. Tac. Sauf que toi, t'as le nouveau maillot. Le maillot de cette saison, gentiment offert par Vincent. Ouais, c'est ce que je voulais qu'ils disent. Bon, Aurel, t'as vu la vidéo que j'ai fait avec Clément? Exactement. Est-ce que t'as vu le tour du monde qu'il a réalisé? Ouais, du premier coup, non? Du premier coup, en plus, c'était pas un fake. Du coup, je vais vouloir que tu me montres un petit peu ce que tu sais faire au niveau tour du monde. Je sais pas si je ferai du premier coup, mais je vais faire de mon mieux. J'arrive pas à faire le tour du monde en jonglant. J'arrive juste quand je l'ai posé sur mon pied. D'accord. Enfin, des fois. Mais du coup, tu. Je vais faire le tour du monde, je vais essayer de le faire. Et arrêter, par contre. Ah ouais, arrêter. Tu peux y arriver en jonglant, Aurel. Moi, je vais lui montrer comment on fait pour y arriver en jonglant. Tu peux y arriver. Vas-y. Tu peux y arriver, j'ai confiance en toi. Puis souvent, quand je suis là, je pense que c'est une motivation. Quand ils y arrivent. Tu te concentres bien. Ah, là, tu jongles bien en plus. Voilà, Aurel, putain. Voilà, Aurel. Aurel, explique-moi. Explique-moi un petit peu depuis quand tu joues à FIFA. Voilà, comment tu l'as découvert? Bah, mes premiers FIFA, c'est sur Xbox normal, donc j'ai 36. Ouais, non, la normale. Ah même, non, la normale. Xbox normal, j'avoue, il n'y avait pas de nom, c'est Xbox. C'est ça, genre FIFA 2002, un truc comme ça. Je joue avec des potes, des petites soirées, hein, comme d'hab, hein, entre collégiens, entre guillemets. Soirée FIFA. C'est ça, exactement. Tu joues à quel mode, toi, principalement, sur les FIFA actuels? Je jouais beaucoup sur FUT, hein, bien évidemment, avec FUT Champion. Vu qu'on on va essayer l'année prochaine d'être un peu compétitif, ouais. Comme Arsène, hein, bien évidemment, qui fait partie du concept. Je fais beaucoup les FUT Champions, je les ai tous faits cette saison. C'était sympa. Objectif, on va essayer de faire 35 l'année prochaine. Est-ce que t'es précis? On verra. Allez, crossbar challenge, Aurel. T'as un essai comme Clément. En tant que coach, c'est pas grave. On aura le temps pour travailler à l'entraînement. Exactement. Y a pas de souci là-dessus. Et autrement, j'adore le club pro. Du coup, c'est quoi ton poste dans votre club? Bah, milieu gauche. Milieu gauche. Ou attaquant gauche, quoi. Attaquant gauche, AG, MG. Ouais, c'est ça. J'aime bien faire la dernière passe. Enfin, vraiment faire croquer mes buteurs. Et faire les enroulés. Ouais, les enroulés, j'adore. C'est les enroulés lointaines. Il tente des enroulés qui ne m'entrent. Non, je vois si elles rentrent parfois. Enroulé, Aurel. Marque-le-moi. Ah, il est gauche, c'est vrai. Déplacé de maille. Vous avez enroulé, Aurel. Il faut que ça rentre au fond celle-là. Ton pro, il est comment physiquement, toi? Il ressemble, pour ceux qui le connaissent, à Kelly Olynyk, un grand joueur de NBA. D'accord. Qui a signé au Miami Heat cette saison. Toi, t'es un grand fan de NBA, t'as Ouais, je fais du basket depuis 10 ans, donc oui. Et tu supportes qui? Les Boston Celtics. Les Boston Celtics, ok. Moi, je suis un basketiste, toi, je supporte les Cleveland. Ouais. Ouais. Est-ce que tu joues aussi au foot en vrai? Non, c'est très très rare. C'est très très rare. Mais j'aime bien le foot, mais ça va, je me débrouille. Aurel, petit défi de brésilienne. Vas-y. Combien de touches? Je rappelle qu'il joue au basket et pas au foot. Hein. Ouais. Une touche. Non, autant de touches que tu veux. Ok, ça marche. C'est moi là par contre qui pourrait bien jouer, Aurel. Il a rattrapé mon erreur. Et voilà, tu vois, t'es pas dessus, Aurel. Là, je sais que c'est mal joué de ma part. Faire au moins oh, excuse-moi, Vincent. Je vais voir ça dans notre club. Hein. Je veux de l'agressivité. Comment tu te décris, toi, en tant que joueur? C'est-à-dire que t'es un joueur comment? Ben, je pense être un joueur assez rapide. Ouais. Enfin, voilà, je sais faire un contrôle, une passe. Enfin, je connais un peu la base du foot, vu que j'en ai fait, mais... Il nous manque un gardien en équipe, votre club, je te rappelle. T'as une bonne frappe? Ah, je sais pas, je pense, ça va. Ça va, pas dégueu, pas dégueu. Et en centre? En centre, je t'avouerai que je connais pas vraiment ma capacité de centrer. Ah, okay. C'est un peu trop trop. Oh, le but! Ah, le crossbar challenge encore! Donc apparemment t'as changé de coupe de cheveux. Parce Exactement. Voilà, il y a eu des critiques par rapport à ta coupe de cheveux dans une vidéo Exactement. Qu'on avait faite ensemble. Et là franchement, je
te le dis, ton nouveau style te va plutôt bien. Et je peux préciser quelque chose? Vas-y. C'est grâce au tuto d'Arsène sur sa coupe de cheveux dans sa vidéo. Ah YouTube. D'accord. Ce sera quoi toi ton rôle dans l'équipe? C'est-à-dire le rôle un peu humain, t'as quel type de personne? J'aime bien motiver les troupes entre guillemets. Ouais c'est vrai. Comme pour le défi des 50 matchs zéro défaite, où j'étais toujours le premier à vouloir le faire. On n'en parlera pas parce qu'ils savent pas. En fait on a perdu le 50e match, voilà, on a fait 49 matchs d'affilée sans perdre. Fallait en faire 50 et au 50e on perd. Voilà, je peux vous dire que j'ai ragé, tout le monde a ragé, j'ai rage kids et j'ai coupé, j'ai tout quitté le groupe d'amis. Merde. Du coup t'es motivé Aurel pour ce nouveau défi? Bah ultra motivé hein, comme d'hab hein. Très motivé. Exactement. Let's go. Voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié le profil d'Aurel et que vous allez mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir l'équipe. Aurel, est-ce que tu écoutes, t'es chaud voilà, pour cette saison qui commence? Je suis ultra chaud. A très vite c'est Vinny Sky, peace and game et n'oublie pas, fais assez bien. Mais Clément alias Biscuit c'est mieux. C'est vrai. Bien joué Aurel.